Salut à tout le monde, c'est Azuric Peracia, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 44 de notre aventure 100% sur Billy Hatcher and the Giant Egg. J'espère que vous allez bien, bah écoutez, les amis, pour ma part, je vais très bien. Souvenez-vous du coup d'un épisode précédent, on avait fait la masterclass dans la mission, tout simplement la mission numéro 7. Alors oui, regardez notre score. Je pense que c'est une mission dans laquelle, si on y reste longtemps, on peut faire le score maximum. Si on gère bien, on peut faire le score maximum. Concrètement, parce que on avait... Allez voir l'épisode précédent, mais on a eu un problème. Et ce problème a été résolu. Donc allez voir l'épisode précédent pour comprendre ce que je dis. Et donc les amis, aujourd'hui nous allons nous attaquer à la toute dernière mission, tout simplement, de Circus Park, dans lequel on va devoir s'attaquer au prix du vendeur de jeu. Donc écoutez, bah let's go hein. Le fameux prix du vendeur de jeu, je regarde si ça enregistre très bien. Ça enregistre très bien, donc tant mieux. Mais ouais, donc c'est une masterclass, honnêtement, ce qu'on a fait dans l'épisode précédent. Et du coup, bah comme d'habitude, on va le faire en deux fois hein. Commencer à connaître hein. Let's go. Ah, ok. Ok, on a déjà obtenu la première. T'as cette musique. Elle fait partie de mes OST évidemment que j'écoute le plus. En fait, il faudra d'abord éliminer ça quand même. Enfin, éliminer ça, on se comprend, mais... Oh putain, ça veut dire dans la glissade, il va y avoir des pièces. Oh putain, sérieusement. Je déteste ça, moi. Ok, y'a rien. Bon, on a déjà obtenu une. Alors, s'il n'y en a pas une autre là derrière, c'est un peu bizarre. Non, il n'y en a aucune. Ok. Il n'y en a aucune, d'accord, autant pour moi. Il y en a zéro. Oh my god. Combo again. Désolé. Alors, par contre, je suis vraiment daltonien, donc des fois, je loupe des pièces pour rien, quoi. Donc, j'espère ne pas en avoir loupé, là. Allez, on y va. Oh my god, I hate... Ok, là. Et voilà, on en a loupé une. Putain de merde. C'est vraiment la merde dans les glissades, les choper. Putain, non, mais clairement. De toute façon, ici, il n'y a que le score. Donc, on s'en bat les couilles des ennemis. Enfin, il n'y a que le score au niveau des de la récupération de trucs. Donc, on s'en bat les couilles ici, des ennemis. Il faut qu'on garde au moins l'F petit. Voilà, par contre, je déteste ça. Oh là là, non, mais... Sérieusement quoi, j'arrive pas à la choper quoi. Oh, je déteste ces glissades, ces cancer. Ça te force à récupérer. Ça c'est un truc qui, s'ils font un remake, j'espère qu'ils vont ils vont essayer de faire quelque. J'ai essayé de sauter, mais j'espère qu'ils vont vraiment faire quelque chose quoi, parce que c'est vraiment une horreur quoi. Genre t'es obligé de recommencer la mission, c'est... En fait c'est frustrant, tout simplement. Ou de mourir. C'est très frustrant, vous voyez. Allez, on y va. J'arrive même pas à la choper, c'est grave quand même, non. Voilà, bah là on va mourir, ouais, de toute façon je m'en doutais. Bon, on arrête pas de mourir là, c'est chier là. Allez, on a perdu 4 vies là-dessus, waouh. Putain, tout ça pour une pièce à la con. Et encore, c'est pas la seule glissade certainement qu'on aura, donc... Parce qu'il y en a une autre aussi. En haut, alors je sais pas si on va aller en haut du truc, mais où il y a le clocher, mais bah ça c'est pas un clocher, mais on se comprend. Hop. Ah, 3. Ok. Tout mon left. Tout mon left. Ah, évidemment, on va à l'endroit que je ne voulais pas. C'est cet endroit là que je ne voulais pas en fait. Parce que du coup, ça veut dire qu'on va devoir glisser. C'est certain, c'est sûr qu'on en aura une à la glissade. Ok, déjà là, il y a une... On arrive. Oh putain, il y en a une là-bas, ok. J'ai vu une pile de caisses. Oh mais laissez-moi tranquille. Laissez-moi vivre en paix, s'il vous plaît. Faut pas détruire les caisses parce que sinon t'es baisé. Bon bah voilà. Bon bah écoutez, on va restart, hein. De toute façon... Alors du coup, ici, on va directement commencer par faire du... L'allumer les panneaux. Pour éviter de perdre du temps pour le truc. Alors, et toi, le grand bienvenu, je suis un marchand du mini-jeu ambulant.
Qu'en penses-tu? Tu veux jouer un tour? J'ai des prix formidables. Oh, tu connais déjà les règles. Dans ce cas, on peut commencer. Cette fois, la durée est limitée à 2 minutes pour que tu ramasses 40 pièces. Il gobe tout ce gamin. Bon, tu es prêt? Prêt? Partez! Ok, il n'y en a pas derrière. Non, il n'y en a pas derrière. Ok. Oula, il a pas voulu. Ok, autant pour moi. Attention, on serait mort donc. Aïe, 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 aïe. Tac. Allez. On y va. Ok. Tac. Merci. Ok, donc j'aime pas la glissade, hein. C'est incroyable. 40 pièces, c'est des malades, hein. C'est des baisers, hein. Wow, Jesus Christ. Alors la glissade est là, on va faire un truc très intelligent, on va partir de ce côté-là. Oh. Oh my god. Oh le fils de pute. Pas mal. Non, dégage. Ok. Putain, évidemment je n'ai pas de... Oh fuck, je n'ai pas de... J'ai pas d'œuf à la proximité en fait. C'est ultra chiant. Oh my god. Voilà, parfait. Maintenant il faut qu'on aille là. Allez, hot glissade, c'est... Ok. Oh mon dieu. Oh Jesus Christ. Oh my god, je viens de louper plein par contre. Ok. Je pensais qu'on aura le temps. Pas sûr mais... Pour un autre petit tour. Je suis pas sûr mais bon, écoutez, on y va. Ah, peut-être s'il y a des chances. Mais ce sera notre dernier essai en tout en bas. Ah bah, je pensais pas qu'il y en avait une dans le truc. Tant pis. Bon bah, on en a loupé qu'une seule. Ouais, on en aura loupé qu'une seule. Bon bah, écoutez, tant pis, hein. On a fait ce qu'on a pu. Tac. Ouais, bon bah, on en aura fait qu'une seule. Bon, tant pis. Allez, hop. On va éviter ça et on n'en parle plus. Grrr, félicitations, tu as gagné le grand prix spécial, l'emblème. Il n'y a qu'un seul au monde, garde-le précieusement. Écoutez. Et voilà. Oh, Jesus. Thank you. Bon, bah écoutez, on va pouvoir bah, s'arrêter là, normalement on a obtenu l'aura S, enfin j'espère qu'on a obtenu l'aura S. Alors, that question. Ok, ok, ok. Oh, Jesus Christ, thank you guys. Ok, perfect, S-Rank. Great, circuit start is complete. 100% complete. Bon, 40 fucking emblem. Bon, ben voilà. Les amis, on va pouvoir s'arrêter là pour cet épisode. On se retrouvera, les amis, pour l'épisode prochain dans lequel ben, on pourra s'attaquer tout simplement à notre prochain monde, Sandruine, dans lequel on ira s'attaquer au fameux le secret du Giant Egg. Merci, les amis, de m'avoir suivi pour cet épisode, du coup, numéro 44, et on se dit à l'épisode 45. D'ici là, portez-vous bien, et encore merci de m'avoir suivi pour ce let's play. Moi, je m'éclate à vous proposer. On se rapproche vraiment petit à petit de la fin du jeu, hein, concrètement. Au cas où, il nous reste 20 emblèmes, et il nous reste en total 16 missions. Donc oui, c'est vraiment, il nous reste bah, plus énormément de choses hein, à faire dans le jeu.
Et du coup, ben, merci de m'avoir suivi pour cet épisode et on se dit à l'épisode 45. D'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Hey, peace!